On a aplati la petite retouche qui a posé en petite finition à la fin. Donc moi, je fais toujours des coiffages un peu flous. Voilà. Voilà. Donc, il est préférable, c'est sûr, de ne pas descendre la prothèse trop basse non plus, parce que ça fait vraiment artificiel. Idéalement, il faut essayer de créer, surtout quand le complément a perdu un peu de matière. Vaut mieux créer un effet beaucoup plus naturel en le mettant à peine plus en arrière. Bon, c'est sûr que au niveau du profil, c'est pas trop choquant non plus. Hein. Bon, évidemment, j'ai bronzé, donc on a un petit peu de blanc, mais demain, ça sera rattrapé. Voilà, j'ai fait assez flou, comme je fais d'habitude. Moi, j'aime pas trop lisse. Hein. Après, si vous voulez les lisser, vous pouvez. Hein. Ça se lisse, c'est des cheveux 100% naturels. Hein. Voilà. Le profil, vous voyez, au niveau du front, c'est un peu plus haut parce que, du coup, pour ne pas qu'on voit apparaître l'arrière, j'ai été obligé. Voilà. Et le dessus. Et voilà. Parfait. Bon, ben, j'espère que ça vous aura aidé et puis que au niveau de l'entretien, vous allez pouvoir réussir à faire ça seul à la maison. Donc ça, c'est un entretien mensuel. Hein. On nettoie entièrement et on repose la totalité. Donc ça, comme ça, on peut nettoyer le cuir chevelu, bien le savonner. Moi, je fais toujours un petit gommage quand même au niveau du cuir chevelu parce que mon cuir chevelu, pour bien désincruster le cuir chevelu, des peaux mortes et puis des descomations. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire si votre cuir chevelu, il est très sensible et il est très, très rouge et fragilisé. Ne le faites pas. Faites simplement deux shampoings. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite encore de pouvoir faire ça seul à la maison jusqu'à qu'on puisse ouvrir de nouveau le salon. Voilà, à bientôt. Au revoir.